Non, mes que... cheveux. Oh, tu aimes pas quand tes cheveux? Si je fais ça quand ça dégage. Ah, c'est pas comme si j'avais une coupe de fou en plus. Ouais. Bon. Ouais, je sais. C'est tout un. Dès qu'on a une caméra, il y a un problème. Et un jour, il va y avoir un avion qui va se cracher derrière. Salut Internet, c'est Kamof. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de mon cher et tendre Maximichu. Maximichu, vous pouvez le rajouter sur Instagram. Mais il n'est pas célibataire. Non. Il n'est plus célibataire. Voilà, donc ça sert à rien de rajouter au final. Ça sert à rien. Vous avez vu dans les précédentes vidéos ce qui s'est passé. Première vidéo, je me fais faire un guet-apens par une fille qui m'a envoyé 4 mecs pour me voler la voiture et me voler 3000 euros. Petit extrait. Regarde-moi, ça veut dire quoi ça? Y'a pas de caméra, frère. Y'a pas de caméra et t'enregistres quoi? T'enregistres ma mère, t'enregistres? Alex, taille-toi, Alex! Taille-toi! Deuxième partie, qu'est-ce qui s'est passé, les gars? J'ai voulu récupérer la voiture. La voiture, je l'ai récupérée. On m'a pété la vitre de la Tesla. Amuse-toi, vas-y. Amuse-toi, vas-y, vas-y. On l'a vu en vidéo aussi. Et en plus de ça, le mec a eu mon numéro, je sais pas comment. Et il réclame l'argent qu'il avait oublié dans ma voiture. Petit extrait à nouveau. Soit tu me ramènes le contenu, soit tu me ramènes la voiture. 48 heures pour me la rendre. Je vais t'envoyer du monde. Et là, tu vas faire une vidéo entre quatre planches. Donc les gars, suite après ça, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu énormément d'appels. Le mec, il m'a menacé de venir chez moi. Il est venu chez moi. Je suis pas sorti parce que voilà, je voulais tout filmer. Et aujourd'hui, vu que j'ai son numéro, je vais l'appeler. Vous voyez ça, c'est de l'argent. Vous voyez? On dirait des vrais billets. Hein. C'est pas des vrais billets. Et ce qu'on va faire, qu'on va lui donner rendez-vous et je vais lui donner ses faux billets. La suite, je ne vais pas vous la raconter parce que moi-même, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir ce qui s'est passé. Donc les gars, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous fais de grosses bises. J'espère que ça va bien se passer et je vous dis à de suite. Donc je vais l'appeler, je vais lui donner rendez-vous sur ce parking. Et je vais lui dire que j'ai son argent et que je veux plus d'histoire et que voilà, parce que sinon, on va voir déjà s'il répond et s'il vient. En espérant qu'il réponde et qu'il soit disponible. Pour 4 000 euros, tu es disponible, non? Oui, allô? Oui. Ouais, tu veux ton argent? Oui, je veux mon argent parce que c'est l'an demain, je débarque chez toi, frérot, je te casse le cul. Et tu serais pas seul, je te le dis, je te préviens d'avance. Mais pourquoi tu veux venir chez moi? Parce que frérot, tu as promis euros à moi que j'oublie dans ta voiture, gros. Tu vas me les rendre. Non, mais attends, tu as oublié dans ma voiture, mais la voiture, tu me l'as volée. Oui, ben oui. Oui, ben, mais c'est normal donc. Ben ouais, c'est normal, gros, tu as vu ce que tu fais? Oui, c'est mon argent, frérot, c'est pas le tien. Ouais, mais c'était ma voiture, c'était pas la tienne. D'accord, mais ma voiture, c'était ma voiture ou pas? Oui, c'est ta voiture, mais frérot, on parle pas de ça en gros, on parle de 3000 euros là. Mais frérot, ma voiture, elle vaut 64 000. Je m'en fous de combien vaut ta voiture, frérot, je te porte 3 points, toi, tu peux t'acheter ce que tu veux, moi non. D'accord. Moi, je m'achète ce que je veux, je suis milliardaire, moi, c'est ça? Si t'as dit quoi, on pourrait acheter une voiture de 64 000 euros, tu veux 3000 euros, tu t'en fous. Ouais, je t'appelle pour ça justement, j'étais sous. Mais tu viens seul? Ouais, je suis seul là. Écoute, moi. Je vais te donner un rendez-vous, je suis caché. Si je vois qu'il y a plusieurs personnes, frérot, je viens pas. Ouais, c'est bon, parce que je suis seul là. Tu vois le parking de. Oui. Tu as vu la poste? Oui. On est sur ce grand parking là. Pas de soucis, tu l'appelles 10 minutes. Allez, ça va. Allez, à de suite. Bisous, bébé. Tu sais comment il a bugué là? Là, on va se déplacer, on va se mettre à un autre endroit. Il va venir. Si on voit qu'il est seul, accrochez-vous parce que ça va être un retour de flamme, mais comme j'aime. Bon, les gars, on est sur le parking. On l'attend. Il ne devrait pas tarder à arriver. Nous, on est cachés avec le caméraman. Ah, il ne devrait pas tarder. Ah, il y a une voiture là. C'est lui, tu crois? J'arrive pas à voir dans la... Je crois que c'est lui, gros. Ah, c'est lui. C'est lui, c'est sûr. C'est lui, c'est sûr, frérot. Toi, ce que tu fais, c'est que tu vas rester avec le caméraman. Je vais aller seul, ok? Parce que sinon, il va se sentir. S'il y a un bruit, tu viens. S'il y a rien, tu viens pas. Et... Je lui donne ses sous et puis voilà, tu vois. C'est bon? Bon, allez. De quoi? Bonjour, déjà pour commencer. J'étais sous, mais avant de te les rendre. Donc déjà pour commencer, tu m'as pris 3000 euros la dernière fois, vous m'avez fait retirer 3000 euros. Rappel. Oui. Secondo, vous m'avez volé la voiture. Troisièmement, j'ai eu une vie de casse à cause de la voiture à cause de ça.
là, je te rends tes 3000 euros. Si je te les rends, tes 3000 euros. Il manque 1000. Tu me dois 1000 euros. Donc autant que je les garde, les 3000. Et tu me donnes 1000, toi. Parce que je t'accorde l'argent. Mais comment? Je merci, parce que je sais pas ce que vous avez fait. La voiture, elle s'est retrouvée en fourrière. Et j'ai dû la récupérer. Et au final, on m'a cassé. Ma Tesla? Comme on m'a cassé la vitre. Figure-toi que la Tesla est en réparation. Tu vois, à cause de toi. Écoute, je vais pas parler sans temps. Tu as mis sous, oui ou non? Oui ou non? Tu as mis sous, oui ou non? Mais j'étais sous, mais je. Bref, donne-moi les sous, s'il te plaît, faut que j'y aille là. Je récupère mes sous, je m'en vais. Parce que sinon, demain, je vais chez toi, je fous le feu. Et ta Tesla, elle prend feu, ta maison, elle prend feu, tout prend feu. C'est bon? Je sais ce qu'il faut. Et tu veux pas t'excuser non plus? Non, je m'excuse pas, frère. Y'a le compte? Vas-y, je te rencontrerai, parce qu'on sait jamais. Tu es tout seul, non? Ah oui, je suis tout seul. Sûr, y'a pas ton caméraman la tapette qui t'a laissé en plan la dernière fois, qui s'est cavalé comme un tromblon au lieu de venir t'aider? Y'a aucun de tes potes? Non, mais non, on est. C'est bon. T'as de la chance, hein, t'as bien de la chance. Lève tes mains. Pourquoi t'es nerveux avec moi? Toi, t'es nerveux. T'es nerveux, t'as de la chance. Vas-y, vas-y. Vas-y, tu montes de quoi? Si j'ai envie de rester là, je reste là. Toi, vas-y, rentre chez toi si tu veux. Moi, je vais rentrer. Vas-y, rentre. Non, juste pour info, Payot, ça se dit plus. Au moins, tu apprendras à parler français. Ouais. Si tu savais qu'il y avait des faux billets dans la poche, mon pote. Les gars, on va partir. Je vais faire semblant de mettre... Ça va. Oh! Il m'a craché dessus. C'est pas grave, les gars. Je vais me garer ailleurs. Je vais rester caché. Je vais voir où il part et je vais essayer de le suivre. On va le suivre pour savoir où il habite, les gars. Bon, les gars. La voiture, elle est devant. La voiture blanche, là, je sais pas si vous la voyez. Elle est juste devant la voiture jaune. Nous, on va le suivre. Lui, il croit que je suis parti. Ça fait au moins un quart d'heure. Il a bien attendu un quart d'heure avant que je parte. Parce qu'à mon avis, il devait se douter. On va laisser passer deux voitures devant. Voilà. Et on va le suivre. Et on va voir où il habite. La voiture jaune, là. Tu le vois? Tu vois les deux? Ben, lui, il est juste devant la voiture jaune. On va le suivre jusqu'à ce que je vois qu'il rentre quelque part. Et après ça... On se remettra à filmer pour vous montrer, pour vous dire ce qu'on va faire et etc. A tout à l'heure, les gars. Bon. J'espère qu'il n'y a pas de nous cramer, frérot. Ok, tu le vois? Tu l'as? Ouais, c'est bon, il s'est garé là. Il habitait là, c'est sûr. J'ai peur qu'il nous voit. Ok, tu vois, il habite la maison là, à droite. Ok. Bah vas-y, on va se mettre derrière lui, on va sonner chez lui. Là, on sait qu'il habite ici maintenant. Là, je vais me faire un régal parce que le mec, il a tout perdu. J'ai donné des faux billets. Et en plus d'avoir donné des faux billets, maintenant j'ai son adresse. Grâce à ces faux billets. Donc là, je vais aller sonner chez lui et je vais lui dire maintenant, ben. Comment on fait? Vu que j'ai ton adresse et que je connais ton nom et tout maintenant. On fait comment? Voilà, les gars. Tout était calculé, je vous l'avais dit. Tout était prémédité. Donc le caméraman va se mettre en place, va se cacher. Je vais aller sonner chez lui. Et là, on va vraiment régler les comptes, les gars. Vous allez voir un autre visage de Kamafou. Il arrive. Alex, il arrive. Viens, on va parler, viens. On va discuter 5 minutes. Comment tu fais la bite? Ben, c'est pas compliqué, tu sais, tu es pas très fut-fut. Ça va? Tu es pas très intelligent. Je te présente Maxou Michou. Viens, je t'en... Alors ça, c'est Maxime, c'est mon ami. Il est venu comme ça. Pourquoi vous êtes venu à deux? Ben pourquoi vous êtes venu à combien la dernière fois? 4, il s'est venu à 4, non? Je m'as dit ça. Ouais, 4 ou 5. Je combien vous étiez venu la dernière fois quand vous m'avez fait le guet-apens? 4. 4? Bon. Alors regarde ce que tu vas faire. Déjà, tu vas me donner l'adresse de tous tes petits copains. Parce que moi, je vais pas rester là. Tu vois? Ben oui, parce que c'est soit ça, soit je donne ton adresse à tout le monde. Est-ce que tu as envie que je donne l'adresse à tout le monde? Non. Est-ce que tu as envie que je mette ton visage à tout le monde? Parce qu'en plus, tu filmes, il y a la caméra juste là. Regarde. Ça va, petit coco. Du coup, non, c'est bon, vas-y, j'avais pas envie de te blâmer. J'avais tes sous. Ben, les sous que je t'ai donné tout à l'heure, j'ai pas besoin, étant donné que c'est des faux billets. Comment ça, c'est des faux billets? En plus, tu me prends pour un teubé. Ah oui, mais parce que c'est scotché. Tu es un teubé, moi. Ben non. Ben frérot, tu prends ta voiture, tu rentres chez toi, et je sais où tu habites. Tu es pas un teubé? Mais tu es parti avant moi, comment tu peux savoir? On est juste intelligent. Frère. On a juste attendu, c'est tout. On a attendu, on est resté caché, on a attendu. Tu parles, toi? T'as suivi ton nom de fiscal. Ouais. Par contre, si tu continues à parler mal, ça va aller beaucoup plus loin. Moi, je suis quelqu'un de gentil.
Allez, je vais pas te. Je peux te cramer, je peux te. Tu veux que je donne ton adresse? Non, tu sais quoi, c'est encore mieux. Maintenant que j'ai ton adresse et ton identité, je peux même appeler les flics. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais descends un étage déjà. Non, mais descends un étage. Non, je t'appelle maintenant. Vas-y. Non, mais descends. On est là pour trouver un avocat. On est là pour faire la putain de balance. Tu me descends un étage. Oui, oui. Alors, reste tranquille. Calme-toi. Ok. Donc, voilà. Juste, je vais te parler. Tu vas me laisser parler. Tu vas m'écouter. La première chose que tu vas faire, si tu veux que je te laisse tranquille, c'est que tu vas me donner l'adresse de tous tes collègues avec qui tu étais. Et leur identité, d'accord? Comme ça, moi, après. Okay, je peux t'avoir tous les noms. C'est pas grave, ça donnera les noms. Tu donneras les noms, ok? Ouais. Après, une fois que tu m'as donné les noms, moi, je gérerai mon problème avec eux de leur côté. C'est autre chose. Et je suis... Par contre, tu te rappelles, tu m'avais fait retirer 3000 euros? Oui, vous m'avez fait retirer 3000 euros quand on m'avait pris la voiture. Tu te rappelles? Chien, poteau, etc. Ces 3000 euros, je les veux. Maintenant. De suite. Là, je sais pas, c'est pas moi qui les ai. Ah! Comment on fait? Ah, voilà. Là, c'est... Mais bah, tu vois, surtout les petits collègues que je vais te passer, tu vas te démerder avec ça. Ah non, non, parce que là, le... Tu vois, celui qui est venu, qui m'a appelé, qui m'a dit, ouais, je vais te brûler la voiture, je vais te faire ci. Je sais pas, les trucs. Tu veux pas qu'on appelle les flics, mais tu veux... Tu as pas les sous. Et regarde, je galère. C'est bon, regarde, j'ai une voiture éclatée, je galère, voilà. Mais c'est mon problème, moi. Et c'est pas ton problème, mais forcément, tu galères, toi. Donne les noms, c'est vrai. Les noms, je te les donne, tu sais quoi. T'es juste jaloux. Et si tu me donnes pas les noms, même. Non, j'appelle les flics. Bon, ça va. Allez. Vas-y, prends les noms, s'il te plaît. Allez, c'est qui? Les numéros de téléphone, si tu les as? Je te donne directement les numéros de téléphone et les prénoms. Voilà, merci. Et tout à l'heure, c'était moi la balance, tu te rappelles? Maintenant, si tu veux pas que j'appelle les flics, il va falloir que tu me donnes les sous. Les sous, je les ai pas. Tu les as pas? Non, je les ai pas. D'accord. Alors, on va faire un truc que j'ai jamais fait. Tu vas me passer tes clés de ta voiture. Et quand j'aurai les sous, quand tu auras les sous à me donner, tu récupéreras ta voiture. Donne-moi les clés de ta voiture. Vas-y. Merci. Donc je récupère ta voiture. Tu vas vraiment prendre la voiture. Oui, mais je la vends pas. Je sais pas. Non, mais tu sais quoi? Je sais pas comme ça. Je veux pas aller travailler. C'est ça, je m'enlève la voiture, je vais pas travailler. C'est pas grave, je vais pas rentrer. Ah, tu t'es... Comme tu veux, tu appelles tes collègues, tes amis, là. Tu leur demandes, je m'en bats, je veux pas savoir. Si dans un mois, j'ai pas la voiture, on fait l'acte de vente, tu me la cèdes et moi je la revendrai derrière et je récupérerai mon argent. D'accord? Mais vu la poubelle que c'est, je suis même pas sûr de récupérer 3000 euros dessus. Si tu veux la récupérer, tiens mon numéro apparemment. Donc tu m'appelles. Et si quand tu as les sous, je récupérerai ta voiture. Sinon, je la mets en vente aux enchères sur le bon coin. Moi, je te jure, si je la mets aux enchères sur eBay avec tous les gens qui nous regardent, je te jure qu'elle part ta voiture. Elle part à 200 euros, mais elle part. Même à la casse, en vrai. Tu as des affaires à récupérer dedans? Tant mieux. Et t'amuses pas à venir chez moi. Tu as compris? Parce que la prochaine fois que tu viens chez moi, ça sera pas avec des caméras. Ça sera pas avec des caméras. Et je suis pas sûr que tu repartiras. D'accord? Dans un mois, je veux mes sous. Si je les ai pas dans un mois, je reviens ici. Et y'a pas que moi qui reviendra, y aura aussi les flics. Voilà. Allez. Bah, tu sais quoi? Ouais. Tiens, fais-toi plaisir. On s'en va? Donc, nous, on se casse avec sa voiture. Et je vous ferai une petite vidéo. Donc, je vous donnerai des nouvelles sur Instagram. L'Insta, il s'affiche en bas, cam-off-officiel. Et je vous dirai si le mec est venu me rendre les sous ou pas, ou si on a gardé la voiture. J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré tout. Et voilà, moi, le temps que je fasse réparer la Tesla, ben, je la récupère bientôt. Faites attention à vous, hein, encore une fois, comme je le dis, je le répète. Des fois, même si vous avez des rendez-vous et tout, faites toujours attention, envoyez toujours votre position à quelqu'un avant d'aller à un rendez-vous, que ce soit un rendez-vous amoureux ou n'importe quoi, vous savez, ça arrive vite. Donc faites attention, les gars, avant d'aller à chaque rendez-vous, envoyez la position à un ami. Comme ça, au moins, s'il y a quoi que ce soit, on sait où vous trouvez s'il y a un bruit. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. Je vous fais de grosses bises. N'oubliez pas de rajouter Maxumichu sur Insta, parce que sans lui, j'aurais pas pu récupérer la voiture. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures à mercredi prochain 18h sur la chaîne YouTube. Gros bisous. Ciao, ciao.